mes croque-lecteurs en ce quatrième numéro de l'année. Les fêtes approchent et je suis sûre que vous cherchez quelques bonnes idées de cadeaux pour des cousins, des cousines, des frères et des sœurs fanas de romans croustillants. Pas de panique, le croque-lecture est là durant ces quelques semaines qui nous séparent de Noël pour vous aider dans votre course aux cadeaux. Gotico fera sûrement l'affaire. Et oui, aujourd'hui l'émission est consacrée à Raphaël Abalos. Vous ne le connaissez pas encore? Pas de panique, Constance et Antoine vont y remédier en vous le présentant dans quelques instants. Et une autre dévoreur de livres restera sur le plateau avec moi pour nous lire le début de Grimpo, un livre du même auteur, ce qui vous donnera sûrement envie de le lire. La semaine prochaine, rendez-vous au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil, des nouveautés, des interviews exclusives de quelques auteurs, de quoi vous donner de très bonnes idées. Et je m'arrête là car j'en ai déjà trop dit, et puis j'imagine que nos deux chroniqueurs voudraient bien rentrer sur le plateau. En effet, Constance et Antoine étaient impatients, c'est pourquoi je ne m'éternise pas. Moi, je vous souhaite juste un très bon voyage dans l'univers de Gotico. À vous deux. Cette fois-ci, Antoine et moi allons vous présenter Gotico, un livre de Raphaël Abalos, publié chez Albin Michel dans la collection WIS. Vous avez peut-être déjà entendu parler de cet auteur espagnol grâce à sa première œuvre pour adolescents, Grimpo, l'élu des Templiers, qui a eu un succès international, et sa suite, Grimpo, le chemin invisible. Constance, je crois qu'un petit résumé s'impose. Suivez bien car l'intrigue n'est pas simple. Ça se passe à New York, au cœur de Manhattan. Le jour même, trois incidents ont eu lieu. Un vieil homme se réveille dans un cachot médiéval sans savoir qui il est, ni même ce qu'il fait ici. Deux lycéens prodiges, inscrits à la même université et à la même école virtuelle, reçoivent un mail étrange et anonyme qui contient une suite d'opérations mathématiques sans queue ni tête. Et pour finir, une prestigieuse neurologue, candidate au prix Nobel, a été retrouvée morte sur son lit, sans trace apparente de violence sur le corps, mais avec le mot « code » gravé au fer rouge dans la paume de la main droite. Rien ne semble assembler ces événements, et, vous vous en doutez, ils sont pourtant bien liés. Le vieux, Kenneth Cogan, est un brillant astrophysicien qui travaillait en collaboration avec la NASA. En fait, il travaillait sur la théorie qu'il y ait une autre forme de vie dans l'espace. Il avait même localisé une planète où il y aurait peut-être une forme possible de vie. Il ne se souvient de rien dans son cachot où il s'est réveillé ce matin, mais il est sûr d'une chose, il ne vit pas au Moyen-Âge. Pourtant, ces kidnappeurs semblent faire partie de l'Inquisition. Pourquoi alors est-il attaché et enfermé ici? Que lui reproche-t-on? Les deux lycéens, Nicolas et Bess, découvrent que leur email n'est qu'une très longue suite d'énigmes tout aussi farfelues les unes que les autres. Elles les embarqueront dans un autre univers, virtuel celui-ci, mais tout aussi dangereux, jusqu'à la découverte d'un énorme secret qui ne leur fera pas que des amis. Le lieutenant Aldous Fowler de la police criminelle et l'agente Tessa Taylor du FBI sont chargés d'enquêter sur la mort de la neurologue. Lors de l'autopsie de celle-ci, ils découvrent qu'elle n'a plus de cerveau. Comment les agresseurs ont-ils fait pour l'extraire sans faire le moindre dommage au corps? Leur enquête ne fait que commencer. Enfin, Walter Stuck, sombre personnage peu connu, est très vite poussé sur le devant de la scène grâce à son idée révolutionnaire. En effet, il vient d'inaugurer son parc à thème sur sa passion le Moyen-Âge. Il est à la fois drôle, charmeur, mais étrangement fuyant. Walter Stuck est-il vraiment ce qu'il paraît être? Vous répondrez à toutes ces questions en lisant ce thriller. Antoine, peux-tu nous donner ton avis? Comme vous avez pu le voir avec le résumé de Constance, ce livre est tout bonnement génial. Il figure selon moi dans le top 5 de l'année 2011. Grâce à son originalité, il se démarque des autres livres que l'on peut lire habituellement. Seulement, je préfère vous prévenir, ce livre n'est pas de tout repos. Avec un nombre colossal de pages, aux alentours de 600, et une violence physique et psychologique impressionnante. Ce livre pourrait donc, selon moi, intéresser de nombreux adultes. Autre remarque, en changeant le titre et en passant de Code à Gotico, l'éditeur réduit le suspense, comme vous pourrez le voir en lisant ce livre. Ce dernier livre de Raphaël Abalos pourrait être classé dans les genres littéraires, fantastique, science-fiction, policier ou même encore historique, ce qui est assez peu commun dans la littérature. On remarque un énorme travail de l'auteur sur l'histoire de New York et de tous les monuments qui apparaissent dans ce roman. Ils sont extrêmement détaillés, ce qui apporte une touche historique à l'histoire. J'ai vraiment apprécié l'originalité de ce livre, avec les histoires alternatives qui mettent du piment et du suspense dans l'histoire, car au moment où une action importante va se passer, l'auteur nous fait tout de suite passer à une des deux autres histoires parallèles. De plus, on remarque un grand nombre de personnages
ce qui est caractéristique des romans de Rafael Abalos. Pour vous parler des personnages, j'ai vraiment apprécié l'inspecteur Fowler, qui est très pragmatique et qui doit faire face à un illuminé qui commet des meurtres assez peu communs. Malgré son expérience, il est troublé face aux multiples mystères de cette enquête qui font ressurgir les démons du passé. Les personnages de ce roman ont tous un destin lié entre eux par des liens familiaux ou alors par des indices dans les différentes enquêtes. Par contre, je n'ai franchement pas beaucoup apprécié les deux enfants, car on ne s'identifie pas à eux, ils sont d'une intelligence supérieure. Dans ce roman, les enquêtes sont extrêmement bien pensées, ce qui permet de se retrouver dans les trois histoires parallèles en même temps, avec tous les indices donnés par l'auteur. Celles-ci se rejoignent en un seul et même dénouement, ce qui est, selon moi, une idée très originale. On peut dire que Rafael Abalos a un style d'écriture et de construction de ses romans assez caractéristique, car Gothico reprend le même système que les deux tomes de Grimpo. On pourrait presque considérer que ce roman est un troisième tome de la série, tant l'auteur fait référence à ce personnage. Ce serait donc comme un troisième tome de la série Grimpo qui aurait voyagé dans le temps. Vous pouvez imaginer que c'est avec un grand regret que Constance et moi avons fermé ce livre accrocheur qu'est Gothico. Il ne vous reste plus qu'à le lire. Passons maintenant à l'extrait de Grimpo qu'Antoine meurt d'envie de nous faire découvrir. Dans ce numéro spécial Rafael Abalos, j'ai décidé pour la rubrique Cerise pour le gâteau de vous lire un extrait de Grimpo, l'élu des Templiers. J'espère vous donner l'envie de découvrir ce roman historique sur le Moyen-Âge où les actions ne manquent pas. Ce roman de Rafael Abalos est souvent considéré comme le nom de la rose de la littérature jeunesse. Le brouillard l'empêchait de voir au-delà de ses propres pas sur l'épais manteau de neige qui recouvrait les montagnes. Grimpo ne s'aperçut donc de la présence du cadavre qu'au moment où il trébucha dessus avant de s'étaler de tout son long dans la neige. Alors seulement il prit conscience de sa sinistre découverte. Atterré, il regarda le visage du mort qui gisait là, comme endormi. Dans un mouvement de panique, il se releva et courut aussi vite qu'il le put, jusqu'à la cabane, exhalant de la buée comme un cerf poursuivi par une horde de loups affamés. « Pourquoi tant de hâte ?» lui demanda Durlib après avoir ouvert la porte contre laquelle Grimpo frappait tel un possédé. « Il y a un mort là, juste à côté, » répondit Grimpo, essoufflé, en désignant la blanche forêt de sapins qui s'étendait derrière lui. Durlib devient tout pâle. « Tu en es sûr, mon garçon ?» Grimpo hocha la tête et laissa tomber sur une souche les deux lapins qu'il avait chassés à l'arc près des cascades gelées de la vallée. « Attends-moi, je vais chercher mon épée, » dit Durlib. Il disparut à l'intérieur de la cabane, prit son manteau de fourrure et glissa dans sa ceinture la longue épée qu'il suspendait toujours derrière la porte. « Allons-y, Grimpo, conduis-moi au corps. » Tels deux spectres perdus dans le brouillard, ils se dirigèrent vers l'endroit où gisait la dépouille. Et c'est tout pour aujourd'hui, mais préparez-vous déjà à être rassasié. Le prochain numéro depuis le Salon du Livre de Montreuil s'annonce très, très gourmand.